Près de 1200 élèves de la 45e promotion de l'École nationale de police ont reçu le drapeau national dont ils doivent assurer la garde. Le drapeau ! Cette cérémonie solennelle intervient après la formation de base qui a symbolisé leur entrée dans la communauté policière. Parents et autorités ont ainsi fait face à ces futurs éléments des forces de l'ordre qui ont dorénavant pris conscience des valeurs qui fondent leur futur métier, tel que l'a rappelé le directeur de l'École nationale de police et de la formation permanente, le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, Ousmane Gueye. Chers élèves, sachez que le drapeau dont vous êtes désormais chargé de sa garde est d'une richesse symbolique exceptionnelle. Cet emblème et il reste le symbole le plus élevé de notre pays. C'est pourquoi, comme vous avez dû le constater, toute l'assistance s'est brusquement levée lors de sa mise en place pour lui rendre des honneurs. De même, durant toute la durée de votre carrière, toutes les cérémonies solennelles commencent et finissent par des honneurs qui lui seront rendus, avec une sonnerie émouvante qui les accompagne, évoquant le souvenir de tous nos anciens tombés au service exclusif de la nation. Un défilé animé par la musique principale des forces de police a mis fin à cette cérémonie. Come on.